C'est vous. Yahweh, à ton volet, on y va. Voilà, ça vient. Vous voulez qu'on arrête là? Comment? Wow, gloire à Dieu. J'ai eu une vision ce matin. En tout cas, le diable est très en colère. Et à Poussin, Bidi, souvent. Par rapport à tout ce que le Seigneur fait. Mais on s'en fiche. Dans cette vision, je voyais un homme qui donnait une valise à une femme. Et les filles avaient pas nous souder les sorts à une valise n'ayonde. Il y a un autre homme qui est venu qui l'a ravi. Et je suis venu, je dis à cet homme, à ce voleur, tu dois rendre la valise de cette femme. Et il ne voulait pas. Et j'ai insisté. Et j'ai récupéré cette valise. Et valise à ici. Je crois que, d'après cette vision, beaucoup de frères et sœurs du Togo s'étaient fait voler leur grâce. Et l'église du Togo. Et Togo, amen. Je crois que le Seigneur veut restaurer des choses. Mais qu'il faudrait que vous soyez prêts. Qui est prêt? Mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes sûr? Mais quand il dit, Seigneur, nous te soumettons nos pensées. Au nom de Yeshua. Luc chapitre 5. Or il arriva comme la foule se jetait sur
toute sur lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézaret. Et voyant deux barques qui étaient au bord du lac, et dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leur filet, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le priait de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, « Avance en pleine eau. » Et qu'on a nos vieux bains, j'en ai aïko. Qui veut vivre le réveil du Saint-Esprit? Pendant des années, vous avez pêché au bord du lac. Posez-moi la question, pourquoi le bord? Et bien, parce que vous avez pied. Parce qu'on a pied. Elle avait affolé, merci. Vous comprenez? Parce qu'au bord des rivières, on a pied. On peut pas. Hein, on peut marcher parce qu'on a pied. Et on est rassuré. Et quand il est merci. Parce que la terre est là. Elle a nommé Aniban Chitile et à Gourba. Mais en pleine eau. Voilà l'histoire avec un coéména. On n'a pas pied. Et à forme les nations. Et on n'est pas rassuré. Et quand il nous a mis assis au bord du lac. Et toi, le monnoi, Bagua. Si en danger, on peut sortir tout de suite. À Fokoure, il y a de la tête pour du lato cavalier. Et pendant des années, Dieu me dit de vous dire. Et Pekeloria, Ninevino. Beaucoup parmi vous. Amekero, les miatome. Crois en Dieu. Oh, voyez, soudissez. Mais ils sont restés au bord de l'eau. Voir au nom et Toto, Agoto, Ago. Au bord de l'eau. Les à toi. C'est le manque de foi. Et ni rosé, fouette et doigt même. Au bord de l'eau. Les et toi. C'est tout ce que les hommes nous donnent. Et ni nous sommes comme plutôt son ami. Et là, toute la nuit, ils ont travaillé sans rien prendre. Et les hommes étaient là, oh, ton voix, on prend les peuples. Regardez, pendant toutes ces années, vous avez prié. Vous avez intercédé, il y a eu quoi? Et mi pope guéreux que mi tin mi tobera mi voyera qu'on va nous kejo. Hier, un frère me disait, mais pourquoi on ne vit pas les miracles, les délivrances, les guérisons? Et soit nous vivons les biens, mais nous quand il y a eu que nous n'agbélons, nous coulons que tombe, kachuchu garde de haut maman. Alléluia. Amen. Qui veut vivre toutes ces guérisons, délivrances? Mais qu'est-ce qui veut dire y a chukamo, y a yotonamo, tout ma humeur. Toute la nuit, ils ont péché, ils ont travaillé et ils n'ont rien pris. Et sans kata. Mettez de côté vos portables, s'il vous plaît. Et mes divines, il y a un portable. Les gens, ils viennent, ils filment, ils partent avec. Mais c'est bien. Vous allez quand même vous convertir. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Et en mouvant, on va les filmer. Sur le Dieu, on va en plonger. Il y a trop de. On va prêcher en plein air. La prochaine fois, on sera sur eux. On sera en plein air. Notre papa a créé la nature, a créé tout ça. Et comme le maître, en plein air. On ne peut pas vendre la vérité. Jamais. La vérité, c'est la vérité. Vous comprenez? Voilà. Et pendant des années, je vois des pasteurs, des chrétiens, ils sont là, ils prêchent l'évangile, ils prient. Mais ils ne voient pas la manifestation de la gloire de leur vie dans leur couple. Et puis, encore, pasteur, Christ, et on fait Dieu menteur. Et vous savez pourquoi? Les gens ne sont pas en pleine eau. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent tout le temps, tout le temps. Non. En pleine eau, c'est là où Dieu se manifeste.
Vous avez déjà lu l'histoire d'Ézéchiel, Ézéchiel 47. On nous dit que cet homme marchait. Il avait de l'eau dans un premier temps. À quel niveau? Aux chevilles. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Alléluia. Il a continué à marcher, n'est-ce pas? Et il avait de l'eau à quel niveau? Au niveau des genoux. Amen. Amen. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Et ton téléphone noir. Il a continué à marcher. Et quand on le son. Il avait de l'eau à quel niveau? Qu'est-ce qu'il va donner? Au niveau des reins. Animé, est-ce qu'il va donner? Est-ce qu'il s'est arrêté là? Et ton téléphone noir. Il a continué à marcher. Et bah toi, il a son. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous qu'elle va job. Il ne pouvait plus marcher. Magaté et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Nous qu'elle va le voir. À nager. Et va le pousser à son. C'était une rivière ou un lac? Une rivière. Ok. Quand on nage dans une rivière, est-ce qu'on va nager à contre-vent, à contre-courant, ou on va se laisser entraîner par le courant? On se laisse entraîner. Hein? Parce que si on nage à contre-courant, on va se fatiguer. Vous comprenez? Voilà. Donc, le cheville. Et afro-noir. C'est le zèle. Et les genoux. Et clotevinois. C'est le brisement. Et bang-bang. C'est l'adoration. Et support. Les reins. Et alimia. Là, Dieu sonde ton cœur, change ton intérieur. Et maoula duapo, dit, mais la trône connaît. La nage. Et appuya. Là, tu n'as plus pied. Et à fond, balasio. Ce n'est plus toi qui contrôle ta vie. Et à me bani, où est le cloître? Frère, réveille-toi, s'il te plaît. Non, viens, cité. Être une voix pour les 100 voix, tu dors, c'est pas normal. Je sais que tu es fatigué, mais. Un petit connoisseur, mon nom est Adam. Alléluia. Voilà. Si tu commences à dormir, là, ta voix, on ne va pas l'entendre. On s'est couché tard aussi. Et on s'est réveillé très tôt pour prier. Et on est là. Alléluia. Amen. Vous savez, le réveil a un prix. Et vous ne pouvez pas désirer le réveil et ne pas payer le prix. Au matin, vous avez un. Vous ne pouvez pas désirer l'évangile et ne pas poser des actes qui vont permettre à ce que cet évangile prenne place dans le pays. Il y a des gens parmi les chrétiens, Dieu le montre, ils ne marchent plus. Ils ont de l'eau au niveau des chevilles. Ils ne veulent pas aller plus loin. Vous savez pourquoi? Parce que ça coûte cher. Le prix à payer est énorme. Le prix est très élevé. Quand j'ai commencé à marcher, j'avais de l'eau aux chevilles. Les gens me disaient, tu n'es pas sage. Il faut modérer un peu ta parole. Il y a près de plus de 18 ans de cela. Et Dieu me disait, si tu modères ta parole, et tu ne vivras pas le réveil. Je suis prêché. Et les pharisiens étaient scandalisés. Et falsito et moya. C'est écrit. Moulin. Pierre, Jacques et Jean vont le voir pour lui dire, sais-tu que les pharisiens sont scandalisés de ce qu'ils ont entendu? Jésus a dit quoi? Bon, je veux aller quand même rectifier, c'est ça. Ce sont des aveugles. Dis à ton voisin, c'est ça Jésus. Alléluia. Et j'ai continué à marcher. Et vous savez, nous aimons avoir des béquilles sur lesquelles nous nous appuyons. Et ça nous rassure. Et comme ça, on sait à peu près
sur qui s'appuyer. Le problème, c'est que Dieu est tellement jaloux qu'il n'aime pas les béquilles. Qui veut vivre la puissance de la résurrection? Et qui veut être crucifié? Ah, pas trop de mains. Alléluia. Frères et sœurs, qui se rend compte que depuis qu'il prie, qui s'est aperçu que depuis qu'il prie, il ne voit pas grand chose dans sa vie, il ne voit pas grand chose dans son assemblée, dans son pays, par rapport au réveil? Qui? Qui n'a jamais vu un aveugle de naissance voir? Qui n'a jamais vu un mort ressuscité? C'est biblique ou pas toutes ces choses? Et nous, on a la Bible à propos de. C'est biblique? Pourquoi la Bible à propos de Dieu? Pourquoi il y a plus? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qui se rend compte que pour que les gens se convertissent aujourd'hui, c'est devenu difficile? Et mais quel taux de sévérité mon latro de vivre avec une qui est cessée à montrer trop? Pourquoi c'est le cas? Nous qu'est-ce qu'il veut les nous? À votre avis? N'avez-vous pas peur? Il n'y a plus de vérité. Il n'y a pas la vie de l'esprit. Il n'y a plus là? Et de l'esprit. Pas pour me faire des médailles. Moi, si tu dormais, tu n'allais pas parler comme ça. Et de l'écoute, tu n'as pas parlé comme ça. Alléluia. Ces chaises-là, ça nous endort. Et de c'est confortable. Et confortable. On prend position. Nous, tu as le meilleur. On n'a pas l'habitude de s'asseoir dessus. C'est ça, hein? Et de l'écoute. Et la clim, on n'a pas chaud, donc on prend. Et clim, tu as. On en profite. Et à mes amis, à quoi vous voulez même? On s'adosse bien. Attends, on y est. On est confortable. Et là, vous vous. Et puis on n'a pas envie de se lever pour chanter. Et il me dit la cité. On dit aux gens, exécutez, nous sommes là pour vous regarder. Et il me dit les amis. Non. Si vous venez à Paris à un de nos programmes, vous ne verrez pas les gens s'asseoir comme ça. Et ne m'y va à Paris, les miens, quoi, ma quoi, mon anani de go. Non. S'asseoir pendant que les frères chantent. Et Anna, il a comme un vieux le mania. Ils sont à genoux en train de pleurer. Oh, vous n'en applaudissez à nos familles. Ils sont debout en train de louer. Oh, les tétés, kafumao. Je ne vous cache pas, quand je suis rentré, j'avais qu'une envie, c'est de partir. Et nos vieux avaient nommé que Edo, Wamayendo, Diti, Odibi, Atrocho. Je me dis, mais ils sont venus voir un spectacle ou quoi? Ben, non, mais vraiment, on va bien avoir quoi, Méléa? Allons, quand Odibi, alors. Une tristesse. Et parfois, quand c'est comme ça, le Seigneur me dit, ne reviens plus. Pas. Alléluia. On est en Côte d'Ivoire en mission. On a loué le Seigneur, loué le Seigneur. Les gens étaient là. La gloire est venue. Je crois que ça va arriver au Togo. Il faut avancer en plein eau. On est fatigué. Et nous, tu connais. J'ai pour principe, quand je vais quelque part, si je ne vois pas la présence de Dieu, je m'en vais. Et nous viens et va filer.
Je cherche la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur va le voir. Il leur dit, avancez en pleine eau, jetez ici vos filets. Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pendant des années, on a intercédé pour l'Afrique, pour nos pays, pour les gens. Les frères hier me disaient, on prie pour les malades, il n'y a pas de guérison. On prie pour les gens possédés, il n'y a pas de délivrance. Ça fatigue. Et là, Pierre dit, mais sur ta parole, je veux le faire. Nous devons faire les choses selon la parole de Dieu. Beaucoup négligent la parole. Vous savez, moi, je la respecte, la parole. C'est comme ça que nous parlons. Vous êtes sûr que vous respectez la parole de Dieu? Qu'est-ce que le respect de la parole? Qu'est-ce que l'observation de la parole? Quand on vit la parole, on ne se mélange pas. Non. Les apôtres disaient, nous ne pouvons parler de choses que nous avons vues et entendues. Nous ne pouvons pas nous taire. Omar à plusieurs reprises dit, tais-toi. Il leur a dit jamais. Vous savez ce que c'est d'être arrêté par un général, mis dans un camp militaire, surveillé, on te prend des photos de face et de profil avec un dossier comme ça, et on te dit tais-toi. C'est ce qui s'est passé au Gabon. Les frères pleuraient, disaient, ah, on l'amène au camp militaire, c'est fini pour lui. Les gens ne sortent pas de là-bas, normal. Tout ça pour que je me taise. Le président a dit, mettez-le là-bas. Et le président a dit, monsieur, sois ta fou. Tu fais quoi? Encore la théo. Beaucoup vont commencer à trembler, à pleurer. Vous aimez Jésus jusqu'à quel point? Vous voulez vivre le réveil? Vous êtes prêt à payer le prix? Mais il y a le rejet. On va vous insulter. On va vous traiter de tout le monde. Étienne prêchait, les pharisiens étaient furieux. Est-ce que vous avez déjà rendu furieux les gens en prêchant? Ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas compris Jésus. Non. Vous avez un christianisme cool. Sympa. Très sympathique. Vous êtes des gentils. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Il est temps que Jésus vienne dans nos églises, dans vos organisations religieuses, qu'il mette un coup de pied derrière. Il est temps qu'il mette un coup de pied dans votre fourmilière. Vous allez voir que ces chaises confortables, vous n'allez plus en avoir. Alléluia. Amen. Je vous dis, à Paris, il y a beaucoup d'endroits où je n'ai pas le droit d'y aller. Et Paris a on dit dans cette salle-là, interdit. Là-bas, interdit. En Belgique,
Le Belgique. Un pasteur américain nous a dit on ne va plus vous louer des salles, ce n'est pas mon problème. Et pasteur, problème de Benjamin va louer ça. Mais je vais dénoncer ton péché. Tu es dans l'adultère, reprends-toi. Lola, Hassimé, à trois dîmes. Vous voulez que les hommes vous acclament? En Afrique, il y a une sagesse qu'on appelle hypocrisie. Et l'Afrique, on voit un chat passer. On va dire non, c'est pas un chat, c'est un chien. On va pas avoir de problème. C'est ça la sagesse africaine. Il y a des gens qui ne veulent plus m'inviter dans leur pays, ils se disent on va avoir des problèmes avec les religieux. Vaut mieux le laisser quelque part là-bas, qu'il soit à Paris, il ne faut pas qu'il vienne ici. Le problème c'est quoi? C'est que vous, si vous voulez suivre Jésus, vous n'avez pas le choix que de dire la vérité. Vous n'avez pas le choix que d'aller en plein eau. Vous n'avez pas le choix. Il y a de la preuve. Pourquoi êtes-vous là? C'est parce que quelque part, Dieu est en train de vous amener à aller à plein eau. En plein eau, on ne voit pas l'horizon. En plein eau, frère, dors pas, la barque est secouée. La barque est secouée. Tu vas sortir pour aller dans quelle direction? J'aime le Seigneur. Quand il appelle quelqu'un, quand il appelle une personne, il va l'amener en plein eau. Et il dit au vent, souffle. Il dit au vent, souffle. Et la barque commence à être inondée. Tu as l'eau à l'extérieur, tu as l'eau à l'intérieur, tu as des requins dans l'eau. Tu fais quoi? Écoutez, Dieu vous aime. Un jour, Jacques et Jean vont voir le Seigneur. Ils ont dit à leur mère, maman va voir Jésus. Parce que la manière dont les choses se passent là, on risque de perdre des portes de clés dans son royaume. Va voir Jésus pour nous. Dis-lui, parce que comme il est entouré de femmes, il écoute plus les femmes que les hommes, alors qu'il le donne des postes de clés et à moi, Jacques, et à Pierre, à Jean, mon frère. Jésus a dit quoi? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a posé une question, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Êtes-vous prêt à boire la même coupe que moi? À recevoir le même baptême que moi? Vous voulez vivre le réveil? Préparez-vous à pleurer à partir d'aujourd'hui. On va vous dire, mais vous avez tout perdu. Mais vous n'êtes plus comme avant. Vous allez devenir persona non grata. Quand vous allez passer, on va vous montrer du doigt comme ça. C'est lui. Mais après ce temps de souffrance, le réveil viendra. Alléluia. Alléluia. Si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire des... Tu veux porter le fruit? Il faut mourir. Wow.
les acquis que tu as. Dieu va te dire, va plus loin encore. Ils ont péché. Ils ont eu beaucoup de poissons. Et Jésus leur dit, suivez-moi. Ils ont pris leurs poissons, ils sont partis avec. C'est ça. Non. Ils ont dit non, on a souffert quand même pour ce travail. Toute la nuit, on a souffert. Maintenant, on a beaucoup de poissons. Eh bien, on va partir avec pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Je vous pose une question. Pourquoi ils n'ont pas pris les poissons avec eux? Pourquoi? Ah, qui a parlé? Pourquoi mon frère? Ils allaient être alourdis. Tu veux suivre Jésus? Tout ce qui t'alourdit, toutes les choses qui t'alourdissent, tu vas te dire d'abandonner. Ces poissons, ça peut être tes amis. Et à Paris, la tenue à peau, bon long. Ton assemblée. À peau, amen. Tes églises que tu as implantées. Et à Kou, au douanier. Ton petit copain. À peau, à Chandia. Ta petite copine. Et Nyon, me connais sous mes battants. Tes connexions. À peau, ta dodo. Tes contacts. À peau, et contact. Ça peut même être ton travail. À Téwani, ou en toi, à peau, ton coronation. Je travaillais dans un cinéma comme opérateur projectionniste. Je gagnais très bien ma vie. On avait des salles comme ça, il y avait 4 ou 5, la plus grande était à peu près comme ça. Et un jour, je sens dans mon cœur, il fallait tout plaquer pour suivre Jésus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Mais il voulait m'amener quelque part. Ça coûte cher. Les gens voient tous ces miracles, ces guéris. Ils se disent, oh, mais je vais avoir ça facilement. Le salut, c'est gratuit. Mais quand si Dieu commence à agréer quelqu'un, là, c'est que la personne a payé un prix. Dieu aime tout le monde. Mais Dieu n'agrée pas tout le monde. Dieu agrée les hommes et les femmes qui acceptent d'être brisés. Dieu agrée les hommes et les femmes qui payent le prix. Des hommes et des femmes qui sont prêts à tout lâcher pour le suivre. Des hommes et des femmes comme Moïse qui ne regardent pas à la richesse de l'Égypte. Et qui regarde l'opprobre, la souffrance de Christ comme une richesse. Et ces hommes et ces femmes, quand ils prient pour les gens, tu es tous. Ces hommes-là, ces femmes-là, n'ont pas besoin de prier des heures et des heures pour que les gens soient guéris. Ils disent aux gens, c'est réglé, c'est réglé. Alléluia. Regardez. Qui est d'accord avec la Bible que les prophètes de Baal ont prié toute la journée? Est-ce qu'il y a eu le feu? Ok. Et Élie a prié combien de temps? J'ai lu la parole là, même pas 10 secondes. Hallelujah! Et il a dit quoi? Seigneur, j'ai tout fait selon ta.
Et non selon une église, non selon la religion, ne fais pas les choses selon ton organisation religieuse. Fais ce que Dieu te dit. Fais ce que Jésus t'a ordonné. Alléluia. Un jour, Dieu m'a envoyé vers un pasteur. Je lui ai dit, tu dois te repentir. Voilà le signe. Le 5 février 98, il va pleuvoir de telle heure à telle heure. Il m'a regardé comme ça. Et la pluie n'était pas annoncée. Et ce jour-là, il a rassemblé son église. Il a dit, vous allez voir, c'est un faux prophète, il ne va pas pleuvoir. La pluie est tombée. Et Alléluia! Je suis allé voir une femme. Elle était enceinte. Et fou ici. Sa grossesse était à terme. Et je lui ai dit, tu ne vas pas accoucher tant que je ne te l'ai pas dit. Je suis parti. Elle perd les os, on l'amène à l'hôpital, on la renvoie chez elle. Elle perd encore les os, on l'amène à l'hôpital, on la renvoie encore. Elle m'appelle, elle me dit, je suis fatiguée, libère-moi. Elle me dit, demain tu vas accoucher. Et le lendemain, on la met à l'hôpital, elle a accouché. Frères et sœurs, il faut avancer en plein eau. Il faut aller plus loin avec Dieu. Ne te contente plus de ta religion. Il faut désirer autre chose. Alléluia. Qui veut plus de Dieu? Eh bien, Dieu veut aussi plus de toi. C'est donnant-donnant. Alléluia. Tu veux le réveil? Oui. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Oh, ma réputation, j'y tiens. On va te dire, toi tu marches maintenant avec ce fou là. Tu sais pas, c'est un fou. Toi à ton âge, tu sais pas, tu es quelqu'un. Lui là, il n'a même pas de diplôme. Et effectivement, j'ai aucun diplôme. J'étais un délinquant. J'étais un caïd à Paris. J'ai même pas eu mon brevet de troisième. Mais Dieu m'a fait réviser la Bible. Alléluia! Amen! Frère et soeur, non, oui, non, non, dites-moi, vous connaissez le lézard Géco? Il ne reçoit aucune invitation. Pourtant, on les trouve dans tous les palais royaux, dans toutes les présidences. Alléluia! Dites-moi, les moustiques qui embêtent nos présidents, est-ce qu'ils reçoivent les invitations? Non! Dis à ton voisin, c'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Jesus Christ. L'onction te qualifie. L'Esprit de Dieu te donne l'intelligence. Quand les gens me regardent, disent, tu as bac plus combien? Dieu m'a fait écrire plus de 13 livres. Là, il y a 2 livres qui vont sortir. Il y en a encore 2 autres qui vont sortir plus tard. Il m'a fait devenir un écrivain par la foi. C'est à cause de son excellence. Dis-lui grâce à son excellence, le Saint-Esprit. Oh, Jesus Christ, alléluia. Ah, il y a quelque chose ici, là, quelque chose ici, là. Oh, quelque chose ici. Les derrière se réveillent, alléluia. Alléluia. Merci. Oh, alléluia.
Les guerriers du Togo se réveillent. Jesus Christ. Yes. Fait pourquoi? Parce qu'on avance en plein eau. On avance en plein eau. On avance en plein eau. On avance en plein eau. Il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Quand tu seras converti, quand tu seras converti, quelqu'un d'autre te scindra et te conduira où tu ne voudras pas. Oh, tu ne veux pas de la persécution, mais tu seras persécuté. Tu ne veux pas être chassé, mais tu seras chassé. Tu ne seras oh, alléluia, alléluia. C'est depuis toi qu'il va avoir. Tu n'auras plus le contrôle. Quelqu'un d'autre va te contrôler. Ce que tu vas enseigner, ce n'est pas toi qui vas le préparer. Tu vas ouvrir ta bouche, l'onction te saisira et le feu tombera sur les gens. Oh, alléluia, Jesus Christ. Oh, la nuée est là, mes amis, la puissance de la résurrection. Oh, la gloire de Yahweh, la gloire. Oh, alléluia, Jesus Christ. Oh, magnifique Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit. Sa nuée est là ce matin pour restaurer l'appel qu'il a mis sur ta vie. Tu vas avancer en plein eau. Et non, son périple. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La tu vas être un prophète seul. La gloire. La gloire. Et une onction prophétique. Oh, ton ami Sissi, il a brûlé ton appel. Tu confirmes ton appel. L'appel de Jérémie. Tu vas être un homme seul. Mais la gloire va t'accompagner. Le feu va t'accompagner. La puissance de la résurrection va t'accompagner. Laissez ces guerriers. Laissez ces guerriers. Qu'on a voulu étouffer. Qu'on a voulu étouffer. Que Dieu révèle. Personne ne te touchera. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là.
la gloire. Tu veux le vivre à Dieu. Tu veux le goûter à Dieu. Tu veux être poussé par Dieu.
gardes cette nation, Père. Appelle-toi et tu dis. Mon Dieu, tu es bon. Cette chose, 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 cette
Thank you.
Amatola prophétique est sur lui dans le nom de Yeshua. Jésus est sur lui dans le magnifique Seigneur. Oh mon Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amatola prophétique est sur lui. Alléluia. Le feu sort de ta bouche, la masse de feu dans le feu. Dis-le, mon Dieu, dis-le. Mon sang est la joie, la vie, la puissance de Dieu. Le feu, voici la gloire de Dieu sur toi. Les jeunes prophètes crient partout. Il y a le peuple. Dis-le, voici la puissance de Dieu. Et c'est le. Mon Dieu, défense la tout le monde. Oh, le Dieu, yes, voici la puissance de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Voici la puissance de Dieu. Et le bonsoir, il peut dire. Et là, voici la puissance de Dieu. Mon Dieu, 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 Yeah.
Ceux qui veulent se convertir, vous les courir.
Sors, quitte cette dame. On va le faire aussi, mon Dieu.
Asi a mis des quelqu'un. C'est malade. Hein? Tu es baptisé? Dieu change votre foi. Là où tu es, pour le change ton histoire. Pour le en enfant. Et puis, c'est l'ancien Saint-Esprit. Dieu, la puissance de Dieu, chassez-moi la mort, chassez-moi la mort.
Cassez-moi la mort, mon Dieu. Et il faut que les amis à ce qu'il y a de l'eau par rapport à l'eau.
Je proclame, je confesse que toutes ces malédictions sont effacées dans le Dieu. Oh, je prie que mon Dieu se souvienne de vous. Vous allez être tellement béni par le Seigneur que vous allez vous fatiguer de la vie. Confesse cela. Que vos ennemis tombent devant. Que les armes pressées contre vos familles soient brisées. Et de il y en a quand ils vont faire des examens chez les médecins, ils vont être tellement choqués, ils vont pas voir du mal à le croire tellement que le Seigneur les a guéris. Alléluia, il y a des gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se ton sida disparaît. Après sida. Et tu vois ton hépatite. Hépatite, tu vois. Ton problème d'estomac. Estomac, tu vois. Ton problème de rein. Aïe, ton problème de cataracte. Aïe, tu vois. Pour dire toi, le cauchemar. Alors attends, femme et mari de Dieu, c'est fini. Et Samuel, nous sommes pour la fille de toi, mais bon. Ton problème de combattre, c'est fini. Après, le Seigneur, Dieu qui a étoffé. Dieu change ton caractère. Maoutor, pour toi, une nouvelle saison pour ta famille. Et si tu es un peu pour moi, je suis quand même. Et on se persécution qui arrive. Père, en vous donnant. Je vais te bénir. Oui, merci. Je vais t'encourager. Comment? Passe-moi. Délivrance pour mon mari qui a dans le temps. Pour moi et mes enfants qui viennent mon mari. C'est moi qui peux l'aider. Amen. Je vais pour toi, je vais toucher ta main. Dis-moi. Comment il s'appelle? Hein? Hervé. Non, c'est jamais vu toi. Tu es bon. Jamais. C'était. Quel est ta soeur ici? Pas seul, à deux de nous. Dieu vous bénisse. Bon, il y a une. Faites Dieu le Seigneur avec beaucoup d'amour, beaucoup de sérieux. Nous nous remettons à boulot, nous nous soutenons à boulot et nous nous remettons. Que vous soyez de l'étranger, que Dieu vous accompagne. À nous, nous sommes continuellement des problèmes. La paix de nous. Je t'appuie à mon mari.
Maman, je te suis déplacé à une mort. Je t'ai dit la même mort. Je vais aller contre lui. Seigneur, bénis mon frère. Avec toi, vraiment, Seigneur. Accompagne-le. Puissant. Avec toi, mon frère. Tout le monde. Au nom de Dieu. Je suis de mon frère. Je prie que Dieu donne l'intelligence à ceux qui font des études pour avoir le diplôme. Pour avoir le diplôme. Je te remercie, Seigneur, de mon frère. Garde vos enfants. Tout danger au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.